Hiroshima, mon amour. Quel étrange cri, disait Marguerite Yourcenar à propos de ce titre de Marguerite Duras. Oui, non, c'est un titre de... Non, il y a eu un film, mais le... ça a d'abord été un bouquin de Duras. Non, Duras aussi, Marguerite Duras, le... l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries, hein. Elle en a aussi filmé. Hein. Mais c'est vrai, elle a raison, Yourcenar. Quel étrange cri. Hiroshima, mon amour. Pourquoi pas Auschwitz, mon loulou. Notez que tout n'est pas mauvais dans le nucléaire. C'est une source d'énergie. L'énergie, on en a besoin. Sans énergie, on ne pourrait pas s'éclater. Et sans pile, on perd la face. Hein. Et à propos de piles, permettez-moi de vous raconter une histoire tout à fait authentique dont j'ai été naguère le triste héros. J'insiste sur le fait qu'elle est authentique parce que c'est à peu près son seul intérêt. Hein. Non, je veux dire qu'il s'agit d'une histoire relativement ennuyeuse dont on pourrait à l'extrême rigueur tirer une morale dont l'utilité ne m'apparaît cependant pas évidente. Enfin bon, mon histoire se situe à l'automne dernier. Mais enfin, elle aurait pu se passer à n'importe quelle autre saison, ça n'a vraiment aucune importance. Hein. Ce matin-là, j'étais en train de me raser, quand soudain... Là, je dis soudain, mais c'est une clause de style destinée à essayer d'éveiller votre intérêt de façon à peine honnête... dans la mesure où c'est en vain qu'on pourra tenter de déceler la moindre trace de soudaineté dans l'action qui va suivre. Quand, soudain, je me dis, tiens, j'écouterai bien la radio. C'est intéressant, hein? Or, tenez-vous bien. Tenez-vous mieux, s'il vous plaît, arrêtez de vous. Figurez-vous que les piles de mon poste à transistor étaient mortes. Alors bon, moi, ne faisant ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni que dalle, je me rends chez l'épicier dont les chocs jouxtent mon logis. J'ouvre la porte et je dis... Oui, tu la connais? Non, pas exactement. Oui, j'ouvre la porte, et oui, c'est à peu près ça. Hein. Et je dis, bonjour, monsieur l'épicier. L'épicier dit, bonjour, il va bien ce matin, qu'est-ce qu'il lui fallait? Alors il dit qu'il voudrait des piles. L'épicier dit... Ah, ben il n'y a plus de piles. Il veut pas des belles bananes? Alors il dit que non, il dit qu'il veut pas des belles bananes. Il dit qu'il veut des piles. Ah, ben il n'y a plus de piles. Mais, bon sang, mais c'est bien sûr Jalors. Il me reste le grand magasin d'à côté. Hop, j'y cours. Hop, je me précipite au rayon des accessoires électriques. Je m'empare d'un lot de 4 piles sous film plastique et je me rends vers la caisse d'un pas complètement quelconque. Je tends les 4 inséparables éléments de batterie et dis à la caissière subexistante qui trônait là sur un tabouret de style fin René Coty, début Charles de Gaulle. Mademoiselle, il voudrait... Pardon, je voudrais 2 piles. Ah, oh, mais vous voyez bien qu'elles sont vendues par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. Ça nous fait 22 francs.
Et putain, mais c'est un alexandrin, ça. Non, non, mais j'ai pas fait gaffe à ça. Non, non, mais... Ah, mais vous voyez bien qu'elles sont vendues par quatre, le capitaine au sortir d'un soupir agacé. Ouais, tu rigoles avec un texte en béton comme ça, on fait une comédie musicale quand on veut, hein. En France, oui. Mais non, mais... Je sais pas, moi... Ah, mais vous voyez bien que c'est vendu par quatre glapitelles au sortir d'un soupir agacé, glapitelles au sortir d'un soupir agacé, glapitelles au sortir d'un soupir agacé. Enfin bon, qu'est-ce qu'elle glapitelle pas au sortir d'un soupir agacé? Ça nous fait 22 francs. Or, figurez-vous que je me targue d'être un consommateur averti. Et j'alloue ses droits. À telle enseigne qu'avant d'acheter 50 millions de consommateurs ou que choisir, je les fais préalablement peser l'un et l'autre par mon libraire avant de me décider pour celui des deux qui présente à mes yeux le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, avec un regain de nonchalance sadique, destiné à faire sortir la léthargique en blouse de ses gonds encrassés, je dépose sur sa caisse, non pas 22 francs, mais 11 francs, et je réitère ma requête. Mademoiselle, je voudrais deux piles. Ah, mais vous m'embêtez à la fin! J'ai pas que ça à faire, mentit-elle effrontément. Puisque je vous dis que ces piles sont vendues par 4, ça nous y fait 22 francs! Je vous demande pardon, mademoiselle. Je connais mes droits. Aucun règlement en France ne m'oblige à acheter 4 piles quand je n'en veux que 2. Bon, eh ben j'appelle mon chef. Monsieur Raymond! Monsieur Raymond! Hurla-t-elle en ameutant tout le magasin dans un branlement frénétique de sa haineuse clochette à vache. Je jubilais intérieurement. D'autant que les clients alentours, dont certains m'avaient reconnu alors que mon père toujours pas. Les clients faisaient maintenant le cercle autour des lieux de l'incident. Monsieur Raymond, petit chef de tweed à gourmette de cadre, arriva bien vite et dit: eh bien, que se passe-t-il? Mais c'est Michel Leb, eh bien, que se passe-t-il? Prenant alors à témoin la foule attentive, je récitais fermement la loi qui était de mon côté, en fustigeant l'attitude bornée de la méchante qui ne l'était pas. Monsieur Raymond avait oublié d'être con, sachant que d'une part j'avais parfaitement raison, et que d'autre part les gens sont toujours du côté de Guignol. Il préleva 2 piles du paquet de 4 et me les tendit solennellement en échange de mes 11 francs. Puis il s'en fut, magnifique et serein, comme un petit Salomon de prise unique. Pour ma part, je quittais le magasin sous les ovations délirantes des ménagères. Après avoir généreusement pardonné à la caissière repentante. Rentré chez moi, j'ouvris la petite trappe à l'arrière de mon poste à transistor pour y mettre les 2 piles. Il en fallait 4.